Salut à tous F5, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour un pack opening Ligue des Champions. Je vais ouvrir l'équivalent de 50 joueurs Champions League, autant vous dire que normalement on devrait avoir du lourd. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit cadeau à faire gagner, vraiment un petit concours super sympa. Le site Foot Center m'a contacté, c'est un site dans lequel vous pouvez acheter des maillots, des crampons, des ballons, vraiment plein de choses. Il y a tous les clubs présents, tous les pays, toutes les marques, Adidas, Nike, etc. Et bien sûr la qualité au rendez-vous, c'est des maillots officiels bien évidemment. Le petit concours que j'organise avec Foot Center, c'est une fanbox à faire gagner que vous allez recevoir lors du match PSG Liverpool afin de passer une soirée plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a du coup dans cette fanbox? Il y a 4 maillots au choix du club de votre choix pour vous et vos amis. Il y a aussi également un ballon que vous pourrez choisir sur le site. Et le petit bonus, un abonnement de 3 mois à RMC Sport pour voir avec des champions comme ça. Le gagnant du coup aura son pack livré le 28 novembre, le jour de PSG Liverpool, pour regarder le match entre amis ou en famille. Et du coup vous allez me dire comment Arsène en participe, c'est super simple, il y a un lien qui est dans la description pour participer. Pour arriver justement sur la page Facebook de Foot Center, vous avez du 14 au 18 novembre pour participer, après ce sera trop tard, et vous avez juste normalement à répondre à une question et vous pourrez justement peut-être gagner la fanbox. Et pour vous montrer un petit peu la qualité, j'ai reçu un petit colis moi-même, j'ai reçu une fanbox. On va l'ouvrir ensemble, on va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas écrit mon adresse, j'ai eu peur. J'ai reçu des petits maillots. On ouvre ça. Ça a l'air plutôt sympa. 4 maillots à l'intérieur. Hop. Donc c'est 4 maillots Jordan PSG. Je l'avais pas en plus. Du coup j'en ai pris un pour moi et 3 pour des amis. J'en déballe un pour vous montrer. Donc là c'est un maillot en M Jordan. Hop. Pour mon ami Georges, le numéro 10 du Vince KFC. Il se reconnaîtra. Un jour moi aussi j'aurai le numéro 10. Moi aussi. Un autre maillot ici pour mon pote Greg. Greg numéro 7, voilà, je pense qu'il va kiffer dans un petit maillot de Jordan, c'est pas mal. Celui-là, logiquement, ça devrait être le mien. On va regarder ça. Yes, Arsène numéro 5. J'aime beaucoup le flocage du PSG version Jordan. En espérant que au moment où je sors cette vidéo, ils soient encore en Ligue des Champions, on sait jamais. Vraiment, la qualité, elle est top, top, top. Je vous montre ça de plus près. Et logiquement, pour compléter la fanbox, là-dedans, il devrait y avoir un ballon. Je ne sais même pas lequel on m'a envoyé. J'ai pas choisi, moi, par contre. Vous choisirez celui qui gagnera. Attention. Un petit ballon PSG, bien sûr, bien emballé. Un petit ballon PSG, franchement, il est beau. Il est beau, je vais vous le gonfler, vous verrez mieux. Le ballon est gonflé, voilà, nickel. Il est pas mal. Bon, après, je sais que le club, ça, c'est ma décision. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas pour Paris dans mes abonnés. Désolé. Allez, ça va aller derrière. Hop. Nickel. Donc voilà, maintenant que vous avez un petit cadeau à gagner pour la Ligue des Champions pour PSG Liverpool, maintenant on va passer au pack opening Ligue des Champions sur FIFA 19. Je suis allé dans les défis création d'équipe et comme vous pouvez le voir, il y avait un défi justement qui s'appelle amélioration UCL commun et amélioration UCL plus 81. J'en ai fait 2 plus 81, donc du coup on aura 2 joueurs à plus 81 minimum. Plus j'ai fait 23, il me semble. Non, 24, pardon. 24 améliorations UCL commun, du coup on aura 24 fois 2 joueurs. Ça fait un total de 50 joueurs avec les 2 joueurs 81 en plus. Donc voilà, j'ai 26 packs à ouvrir. On devrait, je pense, taper du lourd normalement. Sinon, c'est qu'on a vraiment pas de chance, mais je pense pas. Allez, c'est parti du coup. Premier pack, on commence dans l'ordre en espérant que je vais avoir des animations dans ce pack opening. Ça pourrait me faire très plaisir d'avoir un petit Neymar ou je sais pas quel joueur, vraiment un gros joueur. On commence par une animation non boostée. On commence par un Aminarit, la petite pépite. Je crois qu'il jouait à Nantes avant, il paraît que ouais, il va être très très fort. On commence avec le petit Harit qu'on avait déjà. Et du coup, je suis obligé de le vendre rapide malheureusement. Ça va être long, 26 packs, il y a moyen, je pense qu'on devrait taper un truc cool. Un petit Jimerson pour la Ligue 1, c'est pas top top, je vous avoue. Sachant que t'as Marquinhos, Kimpembe qui sont vraiment bien au-dessus, même Thiago Silva également. Toujours pas d'écran sur les côtés pour l'instant. Défenseur gauche, D'Ambrosio. Encore 22 packs, ça va. Pour l'instant, je suis serein. Si je vois qu'on se rapproche des 5 packs et qu'il me reste plus grand chose, là, je commencerai à pas être très bien. Ok, on enchaîne. Défenseur droit, on a un Gomez. Qui a des stats moyennes, on va dire, défenseur droit de Liverpool. Ça passe quand même avec Younes, qui joue à l'Ajax. J'adorais ce joueur. On n'a toujours pas de joueur à plus de 86, ni à plus de 81. Enfin, 83 pour l'instant. On a un Roro. Roro 81. Belge, milieu central. United, on a un Fellaini. Fellaini 80. Bon, 40 sans vitesse, on va peut-être pas l'utiliser, je pense pas. Avec Fellaini, on a un petit Fabio Quintrao, 80 en général. On l'oublierait presque, mais il joue encore au Real Madrid. Et il est revenu au Real cette année, mais il joue pas. Rodeux, bon, on est sympa, ok, on commence doucement, mais il va falloir se réveiller un petit peu, parce que là, ça commence vraiment mal. Toujours pas d'écran. Suisse, gardien, on a un Hitz, je ne connais pas. Allez, je suis sûr et certain qu'on devrait taper un petit truc pas mal. On a normalement le nombre de packs nécessaires pour avoir un bon joueur. Et pour l'instant, ouais, peut-être qu'ils ont réduit un petit peu la chance dans ces packs-là. Parce que mes premiers joueurs, justement, que j'avais packés là-dedans, c'était vraiment des très bons joueurs. Et là, on se tape des joueurs à 80, des joueurs pas ouf du tout. Je sais pas si vous vous souvenez de mon premier pack opening, justement, sur les cartes Ligue des Champions. J'en ai ouvert 5 seulement. Je crois que j'avais eu Ederson et Koulibaly parmi les 5. Et j'avais eu un autre bon joueur, je sais plus c'était lequel. Mais voilà, en tout cas, c'était bien mieux que ça.
On a un CSN 82, on enchaîne les petits packs pour l'instant, mais je pense qu'on devrait au moins avoir un bon joueur. Au moins un, toujours pas d'écran non plus, hein. Pour l'instant ça veut vraiment pas. Argentin, Benfica, Conti, Français, Gardien, Paris Saint-Germain, Alphonse Areola, tiens, ça pour la Ligue 1, ça peut être pas mal. Après il y a Buffon aussi, mais moi j'aime bien Alphonse Areola, du coup ouais. ça peut être pas mal. Allez, encore 14 packs, je suis presque à la moitié, il me reste 13 packs après celui-là. Donc ouais, on peut dire qu'on est à la moitié presque du pack opening. Toujours pas d'écran, franchement on n'a pas beaucoup de chance, j'ai l'impression pour l'instant. Et on se retape un Fellaini 80, ça c'est pas cool, mais genre c'est vraiment pas cool. Réveillez-vous, yes, s'il vous plaît. Ok, toujours pas de logo eSports allumé, c'est pas très bon signe. Mais le pire en ça, c'est que j'ai vraiment eu aucun joueur à plus de 83. Quand même, je pense que ce sera encore une fois pas très fort. Thierry Chev. Et on a un Marsal de l'Olympique Lyonnais. Ça pour la Ligue 1, je pense que c'est un petit peu fébrile. Je pense que Ferland Mendy, ce sera mieux. Allez, donnez-moi un peu d'espoir là, parce que pour l'instant, là, je commence à avoir un petit peu peur. Je vous cache pas que j'étais serein au début. Je me suis dit, c'est bon, on va avoir 50 joueurs. J'aurai forcément un bon petit joueur pour le pack Ligue des Champions. Et oh, je pense que c'est peut-être notre meilleur joueur pour l'instant, El Shaarawy 82. Mais ouais, c'est pas ouf non plus pour l'instant. Mais on le prend El Shaarawy. Alors, sous la barre des 10 packs, 9 packs restants. Je le sens pas. Encore une fois, même pas de joueur plus 83. Mid. Alors le même, non. Weigl. J'ai vraiment pas de bon joueur. C'est inquiétant. C'est inquiétant sur ma chance actuellement. Allez, la chance d'arriver vers la fin. Je le sens bien. Buteur. Néerlandais, on a un Vincent Janssen 77. Et un Jordan Ferry. 8 packs restants. 7 après celui-là. Toujours pas de chance. J'ai beau pourtant avoir mis les moyens pour, mais non, on a pas de chance. Romero. Gardien d'United et Léo Dubois de l'Olympique Lyonnais. On a beaucoup de joueurs de Lyon et de United, je trouve, pour l'instant. Et je vais devenir anti-pack, je crois, si ça continue. Défenseur droit, Klein, c'est pas mal en arrière droit. Il nous reste seulement 6 packs. Donc ça fait 8 joueurs plus 2 joueurs ici, donc 10 joueurs seulement à packer. Sur 10 joueurs, j'espère qu'on va avoir une petite animation parce que pour l'instant, je suis tellement déçu de ces packs. Moi qui étais si confiant au début quand vraiment j'avais ouvert mes 5 premiers packs, mais là vraiment. C'est horrible ce qu'on tape. On tape que les mêmes joueurs en plus. Ça me rend fou. Olsen 76. Toujours pas de logo allumé. Au moins des écrans, s'il vous plaît. Amiri 79. Je pense que vraiment c'était le pack opening de la poisse celui-là. Parce que vraiment, ce qu'on s'est tapé, c'est affreux. Je trouve que c'est affreux. Adrian 78. Avec lui, un Haït Benacer. Ah, les derniers packs, 2 joueurs. Après, on aura 2 joueurs à 81. Garanti. Là, j'espère qu'on pourra peut-être relever un petit peu le niveau. Parce que pour l'instant. C'est assez inquiétant. Ouais, de toute façon, on n'aura vraiment pas eu de chance dans ces packs-là. Under, lui paraît qu'il est très bon, ce petit jeune turc de la Roma. Avec lui, on a un Gaze, je ne sais pas du tout qui c'est. Et allez, deux packs pour finir. Là, logiquement, ça devrait être un petit peu mieux. Faites-moi rêver. Je le sens pas. Je sens qu'on va rester dans notre poisse. Ah, au moins les écrans, ok. Argentin, milieu central, Roma. Ça Pastore ? Pastore 83, j'allais dire 84, Pastore, Rever Pastore. Vous avez demandé les écrans, vous m'avez sorti le minimum possible, un 83 de général, ça passe encore, mais on aurait aimé un petit peu mieux quand même. Peut-être que j'en referai un après, c'est vraiment nul, je verrai, mais bon, il n'y aura pas eu de logo y allumé. Encore les écrans, donc comme quoi les packs plus 81 c'est pas mal. Milieu central, brésilien, Naples, Alan 83, Alan qui a une très belle carte. Et qui est assez solide, franchement. Je ne peux pas vous laisser comme ça, les gars. Je ne peux pas vous laisser sur un pack opening aussi moyen. Du coup, je me suis dit, on va aller dans les SBC. Je vais en refaire un. Pour avoir seulement un joueur à plus de 81. Ça vaut pas trop le coup, mais bon, on va le faire. Donc voilà, je les ai paqués pour au final les revendre. Juste, faut que j'améliore un petit peu le collectif ici. Ok, c'est bon, 53 de collectif. Le SBC est fini, soumettre. Là, on devrait avoir un joueur supplémentaire du code 81. On va l'ouvrir pour voir si ça vaut le coup. Je l'ouvre tout de suite. Au moins pour finir un petit peu en beauté. Au moins avoir un joueur à plus de 83, ce serait pas mal. Et là je vais me taper un joueur à 80 et là je pense qu'il faudra finir. Non c'est bon. Plus de 83. Brésilien. Défense centrale, ok. Benfica, c'est qui ça déjà? Jardel, 83. Bon. Je vais reforcer une dernière fois. C'est juste parce que c'est pour vous. C'est pour vous, vous êtes mes abonnés. Là vous êtes en train de vous dire, putain mais il a vraiment pas de chance, c'est pas possible. Je suis quelqu'un qui persiste. En général, je m'arrête pas au. Premier challenge et on va continuer. Allez, plus 81, on va s'en refaire un. Ok, j'en ai refait un, du coup j'ai une balle de joueurs. Je ne pouvais pas laisser mes abonnés sur un pack opening comme ça. Et je recontinue. Allez, on finit en beauté. C'est parti. Fin de ce pack opening, fin de cette vidéo. Je l'espère. Plus de 83. Attention. BU, Camerounais. On a un Aboubakar. Je l'avais déjà. 81. On se prend des packs 81 ou plus pour avoir un pack 81.
On aura packé 52 joueurs pour l'instant, on aura même pas eu un joueur plus 83, j'en fais un dernier. Là vraiment c'est le dernier dernier parce qu'après j'aurai plus assez de joueurs pour justement faire le SBC, du coup vraiment c'est fini après. J'aurais tout donné vraiment pour avoir un joueur potable, c'est le dernier, je viens de l'ouvrir, allez. Bon ok, le logo eSport c'était pas allumé, du coup ce sera pas un joueur plus 86. Au moins il y a les écrans donc c'est plus de 81. Brésilien, milieu central, United, Fred. Fred 83, c'est pas mal, on finit encore avec un joueur 83, mais Fred, franchement c'est un bon joueur, Ligue des Champions, il a une belle carte et je pourrais peut-être l'utiliser un jour, du coup voilà, je pense qu'on finit sur un truc correct on va dire. Pack à 50 000 pour crédit, allez c'est parti, là on veut du lourd, on a 7 packs comme ça, j'espère qu'on va taper un bon truc. Premier pack, écran, ok, brésilien. Gardien, Valence, Marco, Neto, 84. Neto avec Rui Patricio, William José. On a 4 joueurs à plus de 83. Tu as pas Kim PMB, peut-être, c'est moyen. Allez, deuxième pack. À 50k. Faites-moi rêver. J'espère qu'on va avoir un joueur à plus de 87. Ce serait vraiment cool. Enfin, plus de 86, pardon. Encore un écran. Argentin, MOC, Baniga, 83. Non, je pense qu'on va avoir un petit truc, à mon avis. À mon avis, on va avoir un petit truc. Moi je suis confiant, c'est le troisième, c'est le bon. Faites-moi rêver. C'est pas le bon, pas celui-là. Ouais je suis sur Xbox là. C'est vraiment pas le bon, même pas un joueur à 83. On a un Coates 82. Je suis pas que CR7 tu cries, ouais, je deviens fou. Je viendrai taré, mais on va pas le paquer. Écran encore une fois, pour l'instant on a pas trop de chance. Français MOC, Dimitri Payet. De Marseille. Club rival. Allez, on met une petite animation au moins. Au moins un joueur plus de 86. Il m'en reste combien? Il m'en reste 3. Il en reste 3. 36 joueurs seulement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, il est là. C'est parti. Un bon petit joueur. Je fais que de paquets en ce moment. J'ai que de la merde. J'aimerais que ça change un petit peu. Espagnol. MC. Chelsea. Fabregas. Fabregas 84. Icône, soyons fous. Putain, j'aimerais tellement. J'aimerais tellement paquer une icône là. J'en ai jamais eu encore cette année. Dernier pack à 5000, à 50 000 crédits. Allez, je pourrais être stressé sur le dernier. Maintenant, maintenant un bon joueur. La douille, la douille, la douille, la douille. Ça veut pas. Je crois qu'on a tapé deux fois de suite le joueur. On l'a déjà tapé juste avant, plus Trigueros. Napoli comme team moyen. C'est parti. Allez, faites-moi arriver sur le dernier pack à 50k. Oh là là, c'était pas allumé. L'argent gâché. Oh, quoique. Quoique. On a un Mahrez. Mahrez 85. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mahrez 85. C'est vrai que c'est pas mal. Franchement, c'est un des meilleurs joueurs sans animation plus 86 ou 86. C'est mieux de packer un Mahrez que de packer un Verratti 86 ou de packer un joueur 86 qui vaut rien du tout. Je suis content. Mahrez, c'est cool. J'aurais espéré mieux, bien sûr, mais. Voilà, on prend quand même Mahrez. Bon, malheureusement, ça aura pas du tout été mon meilleur pack opening. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et surtout, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et peut-être pour un live également. À la prochaine. Ciao, TF5.